à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir trois exercices pour se muscler les pectoraux. Premier exercice, vous avez besoin d'un ballon en mousse ou un ballon qui se gonfle avec une paille. L'objectif de cet exercice-là, c'est de venir serrer le ballon avec la paume de main. Donc là, hop. On essaie de contracter avec les pectoraux. Le mouvement provient du haut du pectoral, donc à ce niveau-là, ce qu'on appelle l'insertion du muscle. N'ayez pas trop les épaules crispées. Relâchez les épaules, les coudes vers l'extérieur et appuyez bien avec les paumes de main. N'essayez pas d'écraser la balle avec vos doigts. Plus vous serez proche, plus le mouvement sera facile, mais du coup, moins vous travaillerez. Plus vous serez éloigné du corps, plus le mouvement sera difficile, mais du coup, plus vous allez travailler au niveau de la contraction musculaire. Ce qui est important de ne pas faire, c'est de tendre complètement les bras. Si vous avez les bras complètement tendus et faire ce qu'on appelle verrouiller son articulation, lorsque vous allez appuyer sur le ballon, ce n'est pas vos muscles qui vont travailler, c'est vraiment votre articulation. Du coup, mettez les bras le plus tendus possible, pliez un petit peu les coudes et là, vous pouvez travailler. Hop, essayez de monter jusqu'à 15 répétitions, même peut-être 20, 3 ou 4 séries devraient suffire. Nous allons voir un deuxième exercice pour muscler les pectoraux tout en douceur. Vous avez besoin donc d'un élastique de ce type-là. Vous le placez derrière le dos, relâchez vos épaules, tendez les bras, essayez de venir fermer vos deux mains le plus loin possible. Lorsque vous faites ce mouvement-là, vous allez sentir une contraction au niveau des pectoraux. Voilà, serrez, vous pouvez même essayer de rapprocher vos coudes pour ressentir une plus grande contraction encore. On écarte, et puis on revient doucement. Idéalement, faites entre 10 et 15 répétitions, toujours selon le ressenti. 4 séries, ça devrait suffire. Très bien, donc c'est parti pour le troisième exercice pour muscler les pectoraux. On va aussi un petit peu cibler les triceps, c'est tout simplement faire des pompes. Alors, pour les plus aguerris d'entre vous, vous pouvez faire des pompes tout simplement sur les pointes de pied. On reste bien gainé, le corps aligné, on descend doucement en pliant les bras et on repousse. Là, on prend son temps. Hop, n'allez pas trop vite, contrôlez la descente et contrôlez la montée. Deuxième variante, un peu plus simple, on fait la même chose mais sur les genoux. Donc toujours le même principe de rester bien gainé, bien aligné, pardon. On descend et on repousse. Vous allez mettre beaucoup moins de poids sur vos bras, du coup ce sera beaucoup plus facile. À vous de jouer.